Est-ce que c'est bon maintenant Est-ce que c'est bon maintenant pour le volume Est-ce que c'est bon maintenant pour le volume C'est bon Il n'y a pas de pas de son comment OK. C'est bon Il y a pas de son. C'est bon pour c'est bon pour le son. Ok c'est bon voilà merci beaucoup merci voilà merci d'accord ok voilà donc ok euh, ok d'accord si c'est bon ça va si c'est bon ça va je vais faire l'effort de pas rouler j'ai fini de dire ce que j'ai dit conduit en téléphonant c'est gentil téléphoner papa pas de volume oh comment ça Comment ça, vous n'entendez rien Psst, Ouais, ne me gâtez pas le direct, dis donc. C'est bon déjà, c'est bon Le son est bon Ok, d'accord. Bonsoir Cécile Marie, bonsoir Fortune, bonsoir Sophie. Je fais ce direct parce que euh, je suis un peu dépassé par ce qui arrive sur les réseaux sociaux. J'ai promis de faire ce direct au sujet du monsieur... Le monsieur... Euh, le monsieur... Le monsieur dont vous avez vu le screenshot sur ma page aujourd'hui. Les gens m'ont demandé pourquoi j'ai fait ce screenshot. Donc, moi, je préfère, je préfère faire ce direct parce que pour moi, ce serait un peu arranger les choses. Parce qu'il y a des choses, quand je fais une vidéo, si après, je me rends compte que quelques trucs ont été mis hors de leur contexte, j'essaie de, 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 de rattraper le tir. Parce que mon but quand je fais les vidéos, c'est pas de gâter. C'est bien sûr d'arranger à chaque fois. Je ne suis pas là pour gâter, je suis là pour arranger, je suis là pour instruire. Et c'est pour ça que dans tout ce que je fais, il n'y a jamais d'insultes, il n'y a jamais de propos déplacés. Et je ne place jamais les choses hors de leur contexte. Donc, vous avez vu la, la vidéo sur Ruby. Et quelques temps après, il y a ce, ce monsieur-là, c'est quelque chose de comédien comme ça, qui m'écrit eBay. Il me dit voilà, euh, euh, en tout cas, vous avez lu ce qu'il m'a écrit, c'est sur ma page. Vous avez lu ce qu'il m'a écrit. Et moi, je ne savais pas qui c'était. Parce que pour vous dire vrai, il y a des gens qui m'ont demandé mais tu fais les vidéos avec les, de, des gens et tu les connais pas. En fait, quand je veux faire une vidéo par exemple sur Ruby, je tape sur YouTube ou sur Facebook. Par exemple, Ruby a bagarré. Je tape Ruby bagarre. Quand je tape Bonsoir Flore de Lille, tu parles bien bien français, tu gâtes avec moi. <laughs> Donc, quand je fais par exemple une vidéo, si je veux faire par exemple une vidéo sur comme Flore de Lille est la mieux, je parle d'elle. Si je veux faire une vidéo sur Flore de Lille. Si Floor de Lille, par exemple, a, a vendu le piment. Et il, il tape, par exemple, Floor de Lille vend le piment. Toutes les vidéos qui font référence à cela, je les aurai. Et maintenant, j'utilise ces vidéos pour faire mon montage. Même si je ne connais pas les gens-là. Dès qu'ils ont parlé de ce sujet-là, je les utilise. Voilà. Donc, j'ai donc, donc voulu faire la vidéo sur Ruby. Et quand je tape Ruby Bagarre. J'ai eu la vidéo de flo, j'ai eu la vidéo de d'Alin de, 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 zomon j'ai eu la vidéo des deux autres garçons et de l'ivoirienne là plus la vidéo de Ruby. Il fallait donc que j'utilise toutes ces vidéos là pour rendre l'histoire cohérente parce que les gens qui suivent trois minutes du peuple c'est des gens qui n'ont pas le temps pour suivre tous ces directs là. Mon rôle maintenant c'est de de condenser tout cela et rendre ça cohérent dans, dans un truc qui qui, qui qui fait trois minutes et qui les permet de maîtriser tout ce qui s'est passé. C'est ça mon rôle. Donc, ouais, excusez-moi, dis donc, Florent là. je suis parti là saboter, dis donc. Vous aimez trop ça. <laughs> donc, le, le gars là m'écrit dans Ebay. Moi, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Et même quand je réponds, après, il ne me dit pas qui il est. quelque temps après, on m'envoie une vidéo. On m'envoie une vidéo où le titre de la vidéo, c'est sur la page du monsieur. Je ne vais pas citer son nom, parce que je ne connais pas son nom pour vous dire vrai. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas le genre de personne à dire, ah, euh, je ne te connaissais pas, j'étais découvert à cause d'une de tes vidéos aujourd'hui, euh, je ne suis jamais tes vidéos, je ne commente pas. Lui, je ne le connais pas. On m'envoie une vidéo. Le titre de la vidéo, c'est Steve, le gros C. Deux, deux de, de points de ta mère. Comme pour dire, le gros cul de ta mère. Vous-même, vous-même. Et dans la vidéo, qu'est-ce que le gars dit Le gars passe le temps à m'insulter. Un chien, tu es là-bas au pays, tu ne t'en tu, 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 tu sors pas. Le salaire qui est touché ici en Europe, tu ne vas jamais avoir ça là-bas au pays. Les petites vidéos que tu fais, moi, -même, je peux faire mieux que toi. Je fais les montages, papa, si tu peux faire, fais. Pardon, je ne t'ai pas empêché de faire. Mais pardon, arrête de m'insulter. Arrête de m'insulter parce que la notoriété que j'ai aujourd'hui, la petite notoriété que j'ai aujourd'hui, et le respect que les gens me doivent aujourd'hui, et le respect que je dois aux gens, c'est parce que je n'insulte pas les gens. Je n'ai jamais insulté les gens. Faisons, ayant quand même cette décence-là dans ce pays. De faire que quand il y a un problème, qu'on n'insulte pas les gens. Pourquoi? Parce que ce gars-là, ce gars qui dit que Ruby... Ruby, parce que dans la vidéo, c'est celui, c'est le gars qui dit, Ruby est, est quoi là? Euh, elle est hautaine. Le gars qui dit que Ruby est hautaine. Non, laissez de dire que c'est un frustré. Il veut le buzz, on va lui donner son buzz. Le gars qui dit que Ruby est une frustrée là, ce gars-là. Si vous savez ce qui se passe en réalité. C'est un gars qui a écrit non, Flo, je vais le fabriquer. On a besoin de stars au Cameroun. Franchement, moi j'ai mal hein, quand je vois qu'il y a pas trop de stars au Cameroun, on a besoin de stars. Alors s'il faut le fabriquer, on va le fabriquer. On le fabrique. S'il a un peu de talent vraiment et qu'il peut faire quelque chose, c'est bien parce qu'il y a plein qui ont le talent mais qui n'arrivent pas à émerger parce qu'ils n'ont pas atteint un niveau. Donc si on peut lui permettre d'atteindre ce niveau-là, je crois que c'est bien. Je ne l'ignore pas, on va le fabriquer. Donc, parce que dans ma vidéo, j'ai laissé, laissé croire aux gens que Ruby est hautaine. J'ai laissé croire aux gens parce qu'il a dit que Ruby est hautaine. Que Ruby a mal répondu. Et moi, je l'ai cru. Pour vous dire vrai. Après, parce que j'ai discuté longuement avec Ruby aujourd'hui. Pour qu'elle me dise vraiment la vérité par rapport à ce gars-là. J'ai discuté près d'une heure trente avec Ruby aujourd'hui. Il dit pourquoi tu es... Quand, parce que quand même son nom, son nom, dans son nom, il y a comédien. Ça signifie que quand tu vois ça, moi j'ai répondu parce que j'ai vu comédien. Quand tu vois quelque chose comédien, tu te dis que non, c'est un confrère. Comment mm -hmm. dire Tu as envie de répondre parce que tu te dis que même si tu ne le connais pas, c'est un confrère. Parce qu'il y a comédien là. Il dit, mais Ruby, comment tu peux voir comédien et tu, es, tu, tu réponds mal à la personne Elle me dit, je n'ai pas répondu mal à ce gars. Il dit, non Ruby, tu mens Elle me dit, je n'ai pas répondu. Il dit, fais voir vos conversations. Ruby m'a fait voir toutes les conversations avec le gars. Elle a été polie avec le gars de la première minute jusqu'à la dernière. Moi-même, je n'ai jamais été polie comme ça. Je vous jure. Elle a été polie envers le gars. Apparemment, le gars vit en France. Ruby ne vit pas à Paris. À chaque fois, il demandait à Ruby Tu viens à Paris quand Pourquoi on fasse la vidéo Parce que le but, il voulait faire une vidéo avec Ruby. Mais Ruby a accepté. Et. Ruby a été très très gentil envers ce gars-là, je vous jure. Il dit tellement gentil, quand je vois la conversation, je dis, mais ma chérie, si c'est comme ça que tu es envers toutes tes fans, c'est que c'est bien. Elle me dit, non, elle est obligée d'être comme ça parce que d'un côté, elle vend aussi ses, 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 ses perruques. Ce qui fait que parfois, elle, elle doit répondre aux gens parce que parfois, c'est des clients. Même si quelqu'un vient dire coucou, -cou -cou, parfois, elle répond parce qu'elle se dit que c'est sûr que c'est un client. Mon Dieu. Non, je suis pas en brousse, je suis dans la voiture au 1.1 Long cas je crois. Donc... Elle a répondu de façon polie à ce gars-là. Jusqu'à la gare. Le gars est là. Hein? Qu'il vous montre les conversations. Qu'il vous montre le, les conversations. Donc, je j'ai pas, ai pas aimé ça. Quand on, on fait passer. Euh, parce que moi, j'ai participé à cela. Faire passer Ruby euh, pour, pour une fille hautaine. Vraiment, gars, il faut aller rectifier ça. Tu ne peux pas faire que si tu veux le buzz, gars. Le buzz c'est pas comme ça, c'est pas en insultant les gens que tu auras le buzz. Parce que quand tu as, les insultes, quand tu as ton buzz en insultant les gens, ça, tu ne vas jamais prospérer avec ça. On ne prospère pas avec les insultes. On ne prospère, prospère, pas avec tout ce qui est négatif, gars. Fais attention. Tu peux pas faire un direct, une vidéo où tu passes ton temps seulement à m'insulter. Le cul de ma, ma mère vient chercher quoi dans ta vidéo Oui, j'accepte. Je suis fait. Je suis pauvre. Tu as l'argent. Il n'y a pas de problème. Oui, tu peux, tu peux remettre en cause mon talent, machin et tout. Il n'y a pas de problème. Mais ma mère vient faire quoi dans dans, tes, dans les choses comme ça? C'est pas bien. Maintenant, allez raconter que Ruby est au Pourtant, tu as écrit à Ruby. Elle t'a bien répondu. Elle a même accepté. Elle a accepté de, 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 faire cette vidéo avec toi. Sans même te connaître. Et là, elle ne ment pas. Sans te connaître, elle a accepté de faire. Oh, ça, tu allais draguer la copine de Ruby. C'est pas le Congo, ça, c'est vrai. Parce que sa copine a fait une elle, 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 sa, La copine elle a fait la vidéo pour ça. Jusque-là, Ruby n'a rien dit. Mais tu parles, tu parles à sa Vraiment. J'ai dit à Ruby que moi, j'allais faire le direct. Elle a même refusé, hein? Elle a dit non, elle n'aime pas quand on la défend parce que après les gens vont dire que les clans et tout et tout et tout. Mais il faut que je fasse ça pour mon honneur. Parce que j'ai laissé les gens croire qu'elle est haute. Elle n'est pas hautaine. Vraiment. Elle n'est pas hautaine. Arrêtez. Gars, arrête ça. Voilà. Bon, il y a ça. Maintenant, il y a autre chose. Il y a les gens qui, qui n'ont pas compris parce qu'après avoir causé avec elle, je crois que la bonne version, la bonne version de, de l'affaire, je crois que elle n'a pas suffisamment raconté ça aux gens. Donc, Ruby vient du Sénégal. Elle est allée au Sénégal et en rentrant sur la route de la repos, elle a fait l'accident. C'est là ce qu'il faut savoir. Ce que la veille, Ruby a fait l'accident. La voiture dans laquelle elle était a été un animal. Et ceux qui sont au Sénégal peuvent vous dire que beaucoup de gens ont déjà fait l'accident à cause des animaux sur la route de l'aéroport. Et beaucoup de gens en sont morts. Oui, voilà, son nom c'est Fresque Comédien. Fresque Comédien, c'est ça, Fresque. Pourquoi Fresque, je ne sais même pas. Mon frère, c'est pas un bon nom ça, Fresque, ça, ça, ça fait allusion à tout ce qui est ancien. Faut, faut dire, je ne sais pas, new, 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 new Style ou bien machin. Fresque là, mon frère, c'est bizarre. Donc, Ruby a fait l'accident, elle a failli mourir. Elle voulait même annuler son vol ce jour-là. Mais avec tout ça... Parce que quand elle est arrivée dans l'avion, elle était tellement mal qu'elle a demandé qu'on lui donne un somnifère pour pouvoir dormir. On lui a donné le somnifère dans l'avion. Ce qui fait que même quand elle arrive à l'aéroport, en France ce jour-là, elle est encore sous l'effet du somnifère. Elle tombe sur cette fille-là avec qui elle n'avait pas rendez-vous. Et c'est vrai, hein, moi aussi, moi Steve Fah... Je me retrouve quelque part, quelqu'un commence à me donner les coups de poing en disant, qu'est-ce que tu fais comme ça on ne, on ne vous connaît pas, les gars. On ne vous connaît pas. Ce n'est pas parce qu'on a causé inbox une fois ou deux fois qu'on se connaît. On ne se connaît pas. Vous nous connaissez forcément parce que nous sommes des identités remarquables, mais on ne se connaît pas en vrai. Donc c'est comme ça qu'elle commence, qu commence. Parce que moi je lui ai posé la question que, mais maman, toi-même, tu admets que tu n'es pas une fille forte, tu es faible. Mais pourquoi est-ce que tout ce déchaînement, machin-là. Mais. Il faut dire que la vidéo, avant même la vidéo, comme on l'a, avant même que la vidéo ne commence, mais c'est depuis que la fille là, ne faisait que la déranger et personne ne séparait. Les gens regardaient seulement. Les gens ne faisaient que regarder, regarder. C'est quand la bagarre a commencé. Et ce n'est pas elle qui a enlevé son soutien. Elle a enlevé son haut. Parce que, dans la vidéo, j'ai laissé croire qu'elle a enlevé son haut parce que c'était le cadeau d'une amie. Elle a dit ça juste avec, avec beaucoup d'humour, avec, avec humour. Mais, au fond, elle n'enlevait pas son haut. Ok d'accord je vais bouger ma voiture Apparemment quelqu'un veut sortir Au fond elle a enlevé son haut Uniquement parce que son haut est très facile à enlever Et elle sait que les filles Quand elle va faire ça Quand elle va commencer la bagarre Et que la fille va tirer le haut ça va quitter La fille va aller dire que j'ai enlevé le haut De de, de machin, de rubis Un peu comme une, une fille a dit un jour J'ai enlevé la perruque de flore <laughs> Dédicace à cette fille là c'est mon ami aussi <laughs> Donc elle savait, elle savait que non, moindre chose, la fille allait a dire que non, j'ai enlevé la perruque, j'ai enlevé l'habit, j'ai déshabillé, machin. C'est pour ça qu'elle a dit qu au lieu qu'on raconte tout ça, mieux elle-même, parce que les talons, elle a enlevé les talons parce qu'elle était déséquilibrée. Elle a enlevé les talons parce que vraiment, ça, ça durait déjà et personne ne séparait. Elle a enlevé les talons parce qu'elle était déséquilibrée. Mais le haut, elle a enlevé parce que c'était très facile à enlever. Et la fille, elle a enlevé ça et dit qu'elle a enlevé l'habit de machin. Donc, elle-même, elle a enlevé. Autre chose, par rapport à la perruque, elle-même, elle l'a elle enlevé parce qu'elle sait aussi que la perruque, on enlève facilement. Elle-même, elle a enlevé sa perruque. Parce qu'elle savait que si on enlève la perruque là, on enlève les habits et qu'après, ça se déchire bien, elle va arriver à la maison comment Elle va rentrer comment Elle dit que c'est pour ça qu'elle a enlevé. Ça veut dire que la bagarre, les hostilités ont, ont pris beaucoup de temps. Donc, maintenant, pour le soutien, euh, on, euh, euh, qui a enlevé, je ne peux pas vous dire. Autre chose, euh. L'histoire où on dit qu'on l'a enfermée au Cameroun parce qu'elle a, elle a raconté un truc en Côte d'Ivoire. La vidéo qu'elle a faite en Côte d'Ivoire où elle vantait la Côte d'Ivoire en disant que non, il fallait qu euh, que le Cameroun soit comme ça. Je crois que moi, je fais pareil aussi en Éthiopie. Et elle n'a aucun problème avec l'État par rapport à ça. Parce que ce n'est que normal d'aller voir ailleurs. Elle n'a pas comparé la France et, la Côte, et le Cameroun, non. Elle pouvait bien comparer la France et le Cameroun. Elle a comparé... Elle a comparé non, pas le Congo ça le Congo ça c'est quand il y a les mensonges je ne dis pas le Congo ça elle a comparé la Côte d'Ivoire qui est un pays qui ressemble au Cameroun à tout point de vue on a la même histoire on a été colonisé par les mêmes personnes on a sauf que la Côte d'Ivoire même a vécu des guerres donc elle a comparé la Côte d'Ivoire au Cameroun et ça ne lui vaut pas d'avoir attendez je vais un peu me déplacer là parce que je bloque des gens les gens là donc ça ne lui a pas valu les problèmes avec l'État du Cameroun mais par contre mais par contre, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais sachez déjà que elle n'a pas été enfermée au Cameroun parce qu'elle a parce qu'elle a dit quelque chose de mauvais. Parce que je crois que nous tous nous sommes là pour ça. On va voir ailleurs et si c'est bien, on dit voilà ce qu'on a vu ailleurs. Voilà, voilà, voilà. Elle a passé quelques heures en, en, euh, dans un commissariat ici quand elle était ici. C'est vrai. Je crois qu'elle a même dit ça sur sa page. Elle a passé quelques heures parce que elle est arrivée dans un bar. Et les Camerounais, on les connaît. Tu sais que, vous savez que nous là, c'est bizarre. Hein? Tu sais, quand on te voit et que tu es star, tout le monde veut te manquer de respect. Juste pour dire qu'il t'a manqué de respect. Oui. En fait, parfois même, c'est bien d'être autant. C'est bien de ne pas répondre aux gens. Parce que quand tu réponds à quelqu'un, si quelqu'un te dit bonjour, tu lui dis bonjour et tu restes tranquille. Je pense que c'est suffisant. Dès que tu vas croiser, lui dis bonjour, oui, machin, vous commencez à causer là. Après, il va te manquer de respect. C'est ça la mentalité camerounaise. Et c'est ce qui s'est passé dans bas et il y a un gars qui a bousculé Ruby. Et après, il y, eu, eu, y a eu des, 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 des échauffements là. Il y a eu des échauffourées là. Dans un bar très connu de Bastos. Et c'est comme ça que les choses se sont cassées. Maintenant, Ruby est allé en, en, en cellule parce que, comme c'est elle, la star, comme c'est elle, on croit qu'elle a beaucoup d'argent. C'est à Ruby qu'on a demandé de rembourser l'argent des la, de chichas qu'on a cassé. On a libéré tout le monde. On n'a pas libéré Ruby. Parce que non, bon, c'est vrai que. Euh, 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 elle, a, elle a. Bon, c'est sûr qu'elle aime trop dire la vérité. Elle allait dire au commissariat que, ouais, comme vous voyez là, je rentre demain, machin et tout. Je rentre en France demain, j'ai un vol à prendre. Les policiers ont dit, ah bon, hein. Vous conseillez nos policiers, non <laughs> Voilà. Donc, c'est donc comme ça qu'on a dit que si elle ne donne pas l'argent là. Combien Presque 600 000, hein ou, 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 ou 700 000. Si elle ne donne pas l'argent là, elle ne rentre pas. C'est comme ça qu'elle est restée. C'est comme ça qu'elle est restée. Donc, voilà donc, faut pas qu'il ait de l'amalgame, faut pas qu'il ait de l'amalgame parce que rien que le fait de dire que non, elle a été enfermée au Cameroun parce que l'état du Cameroun c'est grave, c'est grave, c'est pas faut plus dire ça. Voilà, c'était une petite euh, c'était des, des petits échauffes fourrés dans un, dans un snack de la place, c'est tout. Voilà. Et je donc vous connaissez l'histoire. Maintenant, pour Ruby, je crois que tout est dit. Non, je parle de Ruby, pas de Flore. On ne parle pas de Flo, on parle de Ruby. Flo, vous connaissez le problème qu'elle a eu. C'est vrai qu'il y a que, il y, y a que Flo pour vous raconter vraiment pourquoi elle était enfermée. Vous la, c'est sûr qu'elle ne vous a pas, elle, elle va jamais vous dire c'est pourquoi. Voilà. Parce que moi-même qui ai vécu l'histoire, je n'ai pas voulu lui demander. Elle sait exactement pourquoi. Et c'est pour elle. Ne lui demandez pas. Donc, euh, pour le, pour ce direct, j'aimerais, j'aimerais franchement dire à Fresque Comédien. Gars, on est Camerounais. Dans, dans la vidéo que tu as fait pour m'insulter, tu reprochais à Ruby de ne pas... Euh, euh, tu reprochais au Camerounais de ne pas s'entraider. Moi, franchement, j'aimerais bien aider tout le monde. J'aimerais bien aider tout le monde. En fait, c'est même ça mon... C'est même ça mon souhait. Mon souhait le plus ardent. D'aider les gens. Vraiment. Si tu as un petit talent, qu'on t'aide. Parce qu'il y a, y, a, y a matière à se faire de l'argent dans ce qu'on fait là. Parce que, mis à part la comédie que vous voyez, je crois que il y a matière à se faire de l'argent. Oui, il bosse la pub. Actuellement, à Drink Center, à Yaoundé, il y a, il y a une fois au 20 Allez à Drink Center. Il y a une grande fois au 20 les, les, les prix sont bas là-bas. Voilà, il fait quand même la pub. Voilà, donc, gars, franchement, si, si vraiment on se rencontre, je souhaite qu'on travaille ensemble. Si tu peux m'écrire inbox aujourd'hui, là, je vais t'envoyer mon numéro. On s'écrit. On va travailler ensemble. Si on peut travailler ensemble, on travaille ensemble. Vraiment, si c'est que, si tu, que tu peux émerger, je vais me dépasser même. Vraiment, ça, 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 ça ne sera que bien pour moi. Vraiment, j'aimerais aider les gens qui... S'il y a des gens qui ont le talent, écrivez-moi. Vraiment. Je sais comment vous aider. Moi, je vais créer les choses pour vous. Même les concepts. Je vais créer. Ça, je peux. Voilà. Vous allez gagner de l'argent. C'est bien. Bon. Euh, toi aussi, tu vends les mèches dans ta vidéo. Non. Tu commences le régime quand Oui, j'ai commencé le régime hier. J'ai déjà commencé, commencé à faire le sport. J'ai fait le sport. J'ai fait déjà le sport. J'ai commencé le régime hier. Voilà, immigration efficace pour aller au Canada. Allez écrivez-moi IB, je vous donne le numéro. Là-bas, ça marche. Ce qui est bizarre avec toi, c'est que tu écoutes toujours les versions d'une personne. Tu ne prends pas. Non, non, non. Quand tu dis que les versions d'une personne, j'ai lu, lu, les conversations de, du comédien avec, euh, comment dire, avec Ruby. Là, c'est que j'ai quand même. Euh, c'est sur, sur cette base-là que je parle. Voilà, pendant qu'on parle même, je vois que Fresque Comédien m'a envoyé un message vocal. Mon frère, avec mon Facebook, je ne peux pas lire les messages vocaux. Envoie un message écrit. Là, je suis sérieux. Il vient de m'envoyer un message vocal. Envoie-moi un message écrit, s'il te plaît, Franchin. S'il te plaît, envoie-moi un message écrit. Voilà. Mais si c'est que tu m'as appelé pour m'insulter, je te jure, moi, je vais mettre ça sur ma page. Parce que moi, je veux arranger, toi, tu veux seulement gâter. Évitons. Même s'il y a quel problème, évitons de s'insulter. Tu ne peux pas faire toute une vidéo uniquement pour insulter ma mère. Ma mère n'a rien fait là-dedans. Ou elle est, elle est tranquille. Elle se dit que non, son enfant se bat. Il fait des petits trucs pour se... Non, il faut arrêter. Alors les gars, sur ce, euh, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Le prochain numéro de 3 minutes du peuple sera dévastatrice. Ça sera la magie. Attendez, vous allez voir. Euh... <laughs> des... Dis, tu réponds à tout le monde. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais ceux qui ont un problème particulier, si c'est vraiment important, moi je vais répondre. Parce que mon numéro, mon numéro officiel est public. Si vous écrivez le numéro qui est sur ma page là, si vous écrivez sur ça, c'est sur moi que vous tombez. C'est moi qui vous réponds. Et je réponds sur WhatsApp à tout le monde. Si tu as un problème, je vais lire. Si je ne réponds pas, ça signifie que je ne peux pas résoudre ton problème. Mais toujours est-il que je vais lire. Et je réponds presque à tout le monde. Près de, actuellement, j'ai plus de 5000 numéros dans mon téléphone. Parce que quand un fan m'écrit, je prends la peine d'enregistrer son numéro. Pour moi, c'est important. Parce que pour moi, vous vous valez. Vous n'êtes pas des fans, vous êtes, vous êtes, mes, vous êtes comme mes, mon, mon employeur. C'est grâce à vous. Oui, c'est grâce à vous que je peux, je peux aller chaque fin du mois toucher un salaire que YouTube m'envoie. C'est grâce à vous. C'est grâce à vos vues que les entreprises peuvent m'appeler pour, pour que je passe leur pub. Donc, c'est vous, mon employeur. Donc, je ne peux pas... Ce matin, pour ceux qui regardent mes statuts, je, je me suis posé une question sur mon statut. Je, me, je disais, comment les gens font pour être... Euh, comment les gens font pour se prendre la tête quand ils sont stars Je ne comprends pas, je n'arrive pas. D'où je viens quand je suis en on a dit, oh la star, j'ai dit non, pardon, moi je suis pas une star. Moi je ne suis pas une star. Vraiment. Parce que quand on t'appelle star, là, tu te prends la tête, je ne veux pas. Donc, tu crois à la version de Ruby alors que tu n'étais pas là. Ouais, on te parle des écrits, non, mon frère. Ouais. Les screenshots des conversations, comment on ne croit pas à ça Ouais, tonton. En tout cas, bonne soirée, les gars. Et voilà, en passant, la soirée des awards. Bon, il y a beaucoup qui m'ont dit qu'ils préfèrent voler, voter pour Paul, parce que moi-même, j'ai voté pour Paul Tuta, parce qu'il est en prison. Question de solidarité. Parce que voilà, autre chose que vous ne saviez pas. Et voilà un congo ça. Voilà un congo ça qu'il faut que je vous dise. Premièrement, par rapport à Paul Tuta, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Par rapport à Paul Tuta et son emprisonnement, parce que les gens ne font que m'écrire pour me raconter n'importe quoi. Je ne suis pas comme ça. Hein. Dès que quelqu'un est en prison, même s'il a, s'il n'a pas tué, moi ça me fait mal. Paul Tuta, pour vous dire vrai, je ne suis pas d'accord avec euh, ses méthodes. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Mais si la plupart du temps on nous classe dans le même, dans la même catégorie influenceur, j'ai le devoir d'être solidaire. Pourquoi il y a la science sur moi, c'est parce que la voiture n'est pas démarrée, donc il n'y a pas la clim. J'ai le devoir d'être solidaire vis-à-vis -vis de Paul Chuta. J'ai le devoir. Parce qu'à chaque fois, on nous classe dans, la, dans les mêmes catégories. Même si parfois, je ne veux pas. J'ai le devoir d'être solidaire. C'est pour ça que j'ai pris deux heures au téléphone à, à supplier Calix Beyala. J'ai dit deux heures au téléphone jusqu'à me mettre à genoux en route. Quand je l'appelais, j'étais à Bétois, je crois. Deux heures au téléphone. J'ai dit à Calix, pardon. Je crois qu'il a retenu la leçon. faire à ce qu'on le libère. Pardon. Mais j'ai compris que à ce moment, ce n'est plus. Le problème n'est plus entre les mains de Calix. Parce qu'elle-même, elle, elle, elle voulait qu'on le libère. Parce que le but, c'était qu'il retienne la leçon. J'ai supplié Calix pendant deux heures au téléphone. Jusqu'à me mettre en genoux, en route. C'est vrai qu'elle ne me voyait pas. Mais je lui ai dit, maman, je, dit, je suis à genoux. Pardon, faut qu'on le libère. Vraiment. Le. Quand il y a un problème, on peut le mettre en prison juste pour qu'il retienne la leçon. Mais on a besoin de tout le monde au Cameroun. On a besoin de tout ça pour faire un monde. On a besoin du plus, on a besoin du moins, on a besoin de tout ça. On a besoin de, de ce genre de personnes sur les réseaux sociaux. Sinon, sinon on n'est pas dans un état démocratique. On a vraiment besoin de ça. Donc je lui ai dit ça et elle a compris. Sauf qu'à un moment, le problème n'est plus entre ses mains. Parce que pour vous dire vrai, il y a beaucoup de gens ici au Cameroun qui sont contents. Parce qu'il est en prison. Beaucoup de gens sont contents. Non, ce n'est pas la veste qui fait. C'est qu'il fait chaud dans la voiture. Sauf si je baisse la vie. Je n'ai pas envie de baisser. On va venir arracher le téléphone pendant qu'il fait le direct. C'est déjà arrivé. quelqu'un fait le direct, on vient arracher son téléphone. Je suis à Lonka que je vous dis ça. Donc, vraiment... Il y a un truc qui s'est passé ce week-end. Il y a un truc qui s'est passé ce week-end au, week au, week au, au Mont Fébé. L'élection du meilleur influenceur web. Et comme je vous disais, euh, j'ai voté pour Paul Tuta. Mais... Hum, euh, mon équipe, quand même, n'est pas, pas d'accord avec ça. Les gars disent qu'ils méritent quand même de gagner quelque chose au Cameroun. Donc, s'il vous plaît, allez sur la page de Afrique Informe. Même si j'ai voté pour lui, vous pouvez voter pour moi. Allez sur la page d'Afrique Informe parce que le, le vote finit après demain. Parce que le, le, la cérémonie a lieu samedi. Allez sur la page d'Afrique Informe. Ou bien allez dans la précédente vidéo, la vidéo sur, sur Ruby, vous allez voir le lien. Vous partez voter pour moi là-bas. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Vraiment, même si le Cameroun est gâté, ne gâtons pas les réseaux sociaux. Arrêtons de nous insulter. On peut tout faire, ne nous insultons pas. N'insultons pas les mamans des gens, ce n'est pas bon. Parce que on, on reçoit les malédictions sans même savoir. Faisons tout, mais n'insultons pas. Si quelqu'un a, a un seul endroit sur Facebook ou bien sur n'importe quel réseau, si y a un seul endroit où il m'a vu en train d'insulter depuis que je suis sur Facebook, qu'il fasse la capture qu'il vient de mettre là en commentaire. Et je n'insulte pas parce que je ne sais pas insulter. Je les insulte un beau moment dans ma tête. Mais je sais que c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que nos enfants sont connectés. Il y a un fan qui m'écrivait ce matin, il m'a parlé de son enfant de 5 ans qui regarde mes vidéos. Il récite mes vidéos. Donc, pardon, faisons, faisons, faisons ça. Mais arrêtons. Gars. Oui, c amen, oui, Amen, Pasto. Oui, Amen. Non, je ne suis pas Pasto. On casse même les vitres. Je, je te jure, Tara, la vitre que tu vois, la, la vitre arrière-ci, on m'a cassé ça il y a deux semaines. Hein. J'ai remplacé ça hier. On a cassé pour voler un sac. Dans le, dans le sac, il n'y avait rien. Les bandits. Hein. Et ça se passe à l'hôpital général, oui. S'il y a les policiers qui suivent ce direct, il y a un gars à l'hôpital général sur la route qui descend là. Il casse les vitres tous les jours là-bas. Pardon. Envoyez les gens aller, aller, aller gérer ce problème-là. Pardon. On m'a cassé la vitre. là. Je suis allé remplacer ça hier. 60 000. Je vous jure. Donc, si quelqu'un, même, si que, quelqu'un, je là, qui m'envoie. Je souffre, hein? Ouais. Et le maïs aussi, j'aime le maïs. Ceux qui, ceux qui, ont le maïs bruit, là, envoyez-moi ça à la maison. J'adore le maïs. C'est vrai, mon cher. Oh, je suis trop content. Les, les lions ont gagné. Allez, les lions. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Allez, un bisous à vous. Voilà.